les gars, c'est le Water Crazy. Ça y est, après 8 mat taf, c'est l'heure du Water Crazy. Les mecs, je suis trop content. Mais attendez, parce que c'est quand même possible cette surprise. Grâce à qui? Grâce à Oli. Et on va pouvoir, si vous voulez, 10 sachets pardon, de Black Icy Pêche. Oh là là là, stop, j'en connais un qui était stressé pour le lancement de l'event. Hein. Bon, je vous la fais courte, mais c'est Oli qui sponsorise cet événement. Et ils ont décidé de vous gâter. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur le site oli.com et remplir votre panier jusqu'à au moins 15 euros. Une fois que c'est fait, vous ajoutez à votre panier 10 sachets de Black Icy Pêche. Vous rentrez le code Water Crazy en code promo. Et voilà, les 10 sachets sont offerts. Elle est pas belle la vie? Merci beaucoup Oli et surtout Water Crazy! Merci vraiment d'être là les gars, il y a 1 milliard de surprises aujourd'hui, je suis trop content. Merci à tous les gars qui se sont déplacés aussi, vous allez voir très vite. Mais en attendant, je vous laisse la place avec Dwagby, c'est parti. Quel plaisir de vous retrouver en cette nouvelle saison. Et quoi de mieux pour démarrer qu'un event comme celui-là en plein air avec justement des folies qui vont arriver. On est parti pour accueillir l'un des participants qui fait partie des favoris. Soyons honnêtes, moi je suis honnête, je vous propose d'accueillir Mastu le Grand. Mastu ? Non, c'est ici ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il a rien compris. Mais c'est l'intro, frère. Ok, on enchaîne. Je suis désolé, je suis pris de court, moi aussi. Léopold, s'il te plaît. Bouh ! Ah, salut ! Je plaisante. C'est un petit gag, j'espère que personne n'a eu peur, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses faire partie des gens qui peuvent prétendre à la victoire aujourd'hui ? Non. On accueille, s'il vous plaît, Rémélie, porte 3. Ah, c'est une entrée de champion, ça. Ah, mon gars. C'est Water Crazy, hein. On est bien dans le thème. Water Crazy aujourd'hui, et vive le tennis. Et voilà, ça y est, il a tenu 10 secondes. Mastu, il est revenu, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je te laisse un peu de temps, ça va? 2 secondes 40, j'ai fait là. Ah, mais t'as pris ton propre chrono, parce que nous, on n'était pas prêts, nous. On m'a dit, il faut que ça dure pas très longtemps. C'est long. Ouais, et bah, vu que faut pas que ça dure très longtemps, on accueille Grim Cujo, s'il vous plaît. Il a déjà pris mon outil. Tu la casses. Me le casse pas, j'en ai besoin de toutes les missions. Ça, Dwag. Eh mec, c'est un délire comme tu fais l'unanimité dans le chat. Dommage à Grim, boule Grim, oh là là, flopesque. Bon, bon, il a flop ou quoi? Tout le monde est unanime. C'est, honnêtement, c'est beau de voir la France réunie. C'est très très beau. Je la donne. Je suis là pour la victoire. Water Crazy. On accueille, s'il vous plaît, Jean, mesdames et messieurs. La dernière fois que je l'ai vu, il rageait sur Valo. Salut! Dans quel état d'esprit tu es? Et surtout, qui est ton adversaire direct aujourd'hui? Je suis très excité. J'ai honnêtement pas d'adversaire. Hein. Pour moi, ils sont tous au niveau. Donc, je pense vraiment que c'est moi, mon propre adversaire. Il faut que je me dépasse. Il peut faire le même, là, quand il s'énerve sur le gamin, sur Valorant. S'il vous plaît, pour les viewers. J'ai pas envie. On voit plus tard. On enchaîne, s'il vous plaît. Bonne KZ! Porte 3, hein? Bien, porte 3. Ouais. Oh! Ouais. Water Crazy. WC quoi. WC. Water Crazy. On accueille Potatoes, s'il vous plaît. Non, je ne savais pas la vague. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux nous annoncer quelque chose, c'est ça? Non, mais le public sait que je suis homosexuel et je l'annonce ce soir, voilà. Bravo. Bah, félicitations, bravo. Et j'ai un schlong aussi. Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui avec ce corps, quand même bâti pour ce genre d'occasion? Bah disons que je suis là pour gagner, je suis là pour emporter le cœur des gens et surtout, je vais Water Crazier, tout simplement. On accueille Coteil, s'il vous plaît. Coteil, allez, mon gars, allez, allez! Mais non, mais t'as un job! Re-rentre, s'il te plaît. Coteil! Oh! Hé, hey, il est en forme, attends! T'as fait une sieste. J'ai tout donné, ouais, j'ai fait une sieste. Non, ça se voit, tu prends ça au sérieux, là? Comment t'as été invité par Hugo? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Non, j'ai juste compris que j'étais Water Crazy. On a deux vies dans la vie. On a quand on vient à la vie et quand on se rend compte qu'on est Water Crazy. Il reste qui, à part... Je sais même plus. Excusez-moi une seconde. Pardon. Oh putain. Je l'avais pas. Théo Russe. Salut. Dommage à Théo. Eh bah salut. Bah je vais gagner, je pense. C'est tout. On accueille Hugo Délire, s'il vous plaît. Moi, à la fin de l'event. Give me my money. Ouais. Là, je rappelle qu'il y a des subs à gagner à chaque fois. Donc si ça se trouve. Non mais c'est chiant. Si ça se trouve, même Remly va pouvoir gagner des subs dans sa vie. Ça fait très longtemps, on peut l'applaudir. Il va peut-être avoir plus de 25 subs sur la chaîne. Il vous manque une chose, mesdames et messieurs, à comprendre, c'est que vous allez être accompagné par Kameto. Kamel, est-ce qu'on peut être en duplex? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? J'entends Kamel. J'espère que tout le monde va bien, les amis, c'est Water Crazy. Water Crazy. Première fois que je stream dehors, voilà. Première fois que je sors tout court. Moi, mon favori aujourd'hui, c'est Jean. Jean, il va tout tuer, frère. Moi, je vois Jean, frère. En tout cas, c'est sûr que c'est pas Côté qui va gagner, ça, c'est sûr. On va pouvoir démarrer la première épreuve, les Anneaux Crazy. Dans cette première épreuve, les concurrents partiront chacun leur tour pour faire leur meilleur chrono. Ils devront se faufiler dans les anneaux pour ensuite prendre le toboggan géant et enfin essayer de ne pas glisser sur les end spinners de la mort.
Mais attention, seulement les 6 meilleurs temps comptent et seront qualifiés pour la seconde épreuve. Bonne chance à tous. Et j'appelle Grim Cujo pour démarrer en premier. Grim Cujo. Donc là, vous voyez, je vais être en vitesse maximum, mesdames et messieurs. On ralentit. Même vitesse pour tout le monde. Carré. 3, 2, 1, Water Crazy. Il y va, il passe le premier, le deuxième, le troisième, il est tombé, il a déjà perdu une vie. Si Grim retombe, eh bien, il n'aura plus de vie. Allez, doucement, tranquille. Le premier obstacle, il est passé pour Grim. Il monte. Grim, le toboggan crazy. Et il y arrive directement dans l'eau. Ouais, ça va mettre un petit peu de temps quand même. Ça va mettre un petit peu de temps. Ah, c'est pas Léon Marchand, les frères. Il monte, je crois qu'il est épuisé déjà. Allez, Grim. Ok, le premier, le deuxième, le troisième. Oh, allez. Attention, pas tomber, c'est bon. C'est bien, champion. Allez, faut faire le retour maintenant. Sauter dans l'eau. Et il aura validé un temps. Allez, faut sauter. Et c'est fait pour Grim, 2 minutes 05. Léopold, mesdames et messieurs, s'est mis sur la piste de départ. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, Léo. Qui tombe pas, il garde sa vie. Il garde sa vie, c'est magnifique. C'est Léo Messi. Encore à Léo. Il arrive au toboggan géant, au toboggan crazy. Et là, maintenant, faut nager jusqu'à l'échelle. Allez, Léopold, il est à 1,25. Là, il doit passer sur cet obstacle. Attention, le double hand spinner de la mort. Le premier qui est passé, le deuxième. Léopold, il va passer. Léo. 1,43. Il a explosé le temps de Grim Cujo. Mais là, on part sur Potatoes. Comment tu te sens? Super bien. Super. On s'en fout. Lancez le chrono. Water Crazy, c'est parti. Wow. Mais quelle vitesse, trop vite. Il s'est brûlé les ailes. Attention, gauche, droite. Faut être un peu plus intelligent. Allez, champion. Allez, va au bout, champion. Belle vitesse de course. On part sur le toboggan géant. Ça glisse. Et... ah ouais, je crois que c'est un peu ramassé. Et là, ça va plus vite hein, dans l'eau. Hein. On peut peut-être battre Léopold. Allez, attention, premier, hand spinner, ça passe. Le deuxième, il va attendre le bon timing pour le suivre. Ah, la glissade! Le tacle glissé, mais il va pas tomber. Il enchaîne. Il va finir. Le premier, le deuxième, il doit faire un saut. Une 30, oh, une 32 pour Potatoes. Mastu, à ton tour, Mastu. C'est parti, Mastu. Avec les anneaux crazy. Il attend le bon timing et c'est validé directement. Regardez le sprint. Il arrive au toboggan géant. Il saute directement. Cancel slide. Comme si on était sur Warzone. Wow. Et là, la nage. Là, c'est de la brasse. Ouais. Mais ça va très vite. Il va adopter une stratégie plutôt safe. Tranquille. On enchaîne. Les 3 sauts, 4 sauts. Attention. Il a failli tomber. Là, faut aller plus vite. Mon Mastu. Il se tient debout. Allez. Est-ce qu'il peut remonter? Est-ce qu'il peut remonter? Donne tout. Là, il est fatigué. À la mort, il a tout donné. Regarde comment il est lent. Premier saut, deuxième saut, troisième saut. C'est bon. Quelle combativité. Mais oui, il va valider. C'est le moins bon temps, mais il a réussi à valider un temps. Jean qui lui aussi va pouvoir montrer de quoi il est capable. Enfin, c'est mon poulain. Moi. Vas-y. C'est parti, Jean. On y va. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait Billie Jean avec le cercle crazy. Ça, c'est un joueur fair play. Allez, c'est parti. On va regarder cette glissade et plouf. On y va. Maintenant, la nage. Il va aussi vite, plus vite que Potatoes. Il envoie un pas de brasse avec Jean. Jean, mon poulain. Allez, il attend le bon timing. Un saut, deux sauts. Attention, trois sauts. Ah, aïe, il se fait tabasser par le spinner. C'est bon, ça passe. Ouais, il est resté solide. Deuxième saut. Et c'est validé, 1,21, numéro 1, Jean. Rémi, allez champion. Et allez, c'est champion. Parti. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Le quatrième, il va l'exploser. Il va l'éteindre. C'est parti, le toboggan. Il se lance, il s'envoie, plouf. Il y va au crawl, il éteint tout. Mais elle est un peu plus lente quand même, cette nage. Il va pas falloir se rater. Il va falloir le bon timing. Un saut, deux sauts, trois sauts, quatre sauts. Pour accompagner ce deuxième entrepreneur de l'avant. La glissade. C'est bon, il va rester. Les amis, Rémi. U31. On va y aller pour Hugo, mesdames et messieurs. Oh là là, Hugo, délire. Allez, tu peux y aller, tu peux y aller, t'es rentré, tu peux y aller. Allez, c'est parti, toboggan. Hugo, délire, c'est incroyable. Le plouf, on y va. Maintenant, la nage. Physiquement, il s'est préparé et on peut le voir. Allez, je crois qu'il commence à être mort, biscuit. Allez, il en peut plus. Les deux hand spinners de la mort parce qu'il faut enchaîner les sauts. Ça glisse. Et attention, parce que là, il se prend des petits croche-pieds. Il arrive à rester debout. Il passe le deuxième avec une facilité déconcertante. On est à 1,19. Allez, faut valider. Faut valider. C'est validé à 1,23. Bot KZ, il se l'est dit. Il se compare pas aux autres. C'est parti. Allez, pas besoin de, pas de, besoin de se presser. C'est bien, c'est bien. Allez, là, il y a le sprint. Le toboggan, puis la nage. Bien. Et attention, la glissade. J'ai l'impression qu'il est tombé. Le gros plouf, on y va. Et là, la nage. Ça va être le plus épuisant. Sur le dos. Franchement, les gars, bonhomme. Bonhomme d'avoir fait ça. C'est un monstre.
J'ai bu la tasse, c'est froid. T'arrêtes? Il a sûrement bu la tasse, je pense, et une tasse qui restera en lui pendant quelques jours. Pourquoi tu rigoles, bâtard? C'est vrai que c'est envoyé des sacrés gorgées, là. Donc forcément, là, la tasse, elle finit en chiasse, voilà. C'est vrai qu'il va... Force aux chiottes du tourbus, parce que... Grosse force à KZ, c'est courageux de ouf de sa part d'avoir participé. Reconcentre-nous, parce que là, c'est Théo Russe. Et c'est parti pour Théo Russe, on y va. C'est validé, là, le bon timing, le quatrième, c'est validé aussi. Attention à la glissade. Il a failli tomber dessus. Et voilà. Il va à la glissade. Et le grand splash. Allez, c'est parti, attention. Premier saut, deuxième saut, troisième saut. Ah, attention, quatrième saut. Non, il est fou. Il est fou. Il est fou, fallait attendre. Il va s'arriver dans son dos. Allez, fallait attendre le bon timing. Et il retourne. Là, il doit enchaîner les quatre sauts. Allez, Théo Russe, water crazy. Oui. Ah oui. Et là, voilà, voilà, là, c'est tranquille. Non, non, non. Elle est lunette. Elle est lunette, Théo Russe. La fatigue, Théo Russe qui chute. Bon, bah, Kameto, c'est vrai qu'on a eu deux échecs d'affilée, là. Est-ce que... Et sûrement trois. Ça va, c'est mon gars, moi je pas moi qui l'ai dit. Côté dans 3, 2, 1. Hey, j'ai tellement pas confiance au côté. Oh, ça va vite. Mais par contre, il y va là. Tu peux aller au quatrième, il y va. Le quatrième, attends. Wesh, il l'a stoppé. Il l'a stoppé. Oh là là là. Il a un physique, frère. Ninja. Le Naruto Red. Le Naruto Red Mazaru. La dédicace. Non, c'est un monstre, mec. Tout pour le côté dans la cristal de fou. Allez, la nage. Oh là là. Il y va. Maintenant, je sais pas comment il va faire pour réussir cet obstacle. Je sais pas s'il a le cardio, les mecs. Ça pue la chute, les mecs. La chute. Ça pue la chute. Ça pue la chute. Ça pue la chute. Ça pue la chute. Là, va falloir aller vite. Ah, oh, aïe, 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 sur les fesses. Aïe, 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 aïe. J'ai entendu boum. Non, franchement, la prod, c'est incroyable, les gars. Les petits bruitages. On va avoir un problème de timing côté là. Tu vas pas là. Allez, premier, troisième. Aïe, 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 aïe. Ok, il est en train de battre la machine. Il est en train de battre la machine. C'est une machine. C'est une machine lui-même. Aïe, tu fais ta base. Hugo, il va payer une caution de temps. Il est pas tombé. Clipez-moi ça, hein. Je passe sur un temps, mais clipez s'il vous plaît. Ah, la vie de ma mère, voilà, je suis mort. Écoutez, au bout d'une heure et demie, qui arrive enfin. Franchement, il a pas lâché, hein. Il a pas lâché, il a même battu la machine. Le meilleur chrono, c'est 1.21, et c'est Jean. Ouais. On part sur 1.23. Et ben, c'est Hugo, mesdames et messieurs. Ouais. Il en a rien à foutre. Faut peut-être le filmer. Faut y retourner, frérot. C'est lui le boss aujourd'hui, mais bon. 1.32 à 1 seconde d'écart. C'est Pota, bravo. Ouais, Pota, je l'ai dit, hein. Faut pas le sous-estimer, hein, malgré son corps de lâche. On va pas aller sur le physique. Hein. Pardon, pardon, je voulais pas. On va t'entraîner, mon gars. Wesh, les gars, vous arrivez même pas à finir. On a une petite vidéo, mesdames et messieurs. Phase 1, épreuve 2, c'est ça. Pour la seconde épreuve, les concurrents devront rebondir sur des énormes boules rouges. Celui qui réussira à aller le plus loin sera qualifié pour l'épreuve finale de la première manche. Bonne chance et attention aux poils. Rendez-vous directement aux énormes boules. Et je parle pas des miennes, je parle des énormes boules rouges. Rendez-vous sur la plateforme bleue, mon cher Grim à ta droite. C'est parti, Grim, sur les boules crazy. On y va, premier saut en grenouille réception et chute. Terminé. Suivant. Et chute. Allô, suivant. Allez, c'est parti, deuxième passage. Léopold. C'est effrayant, t'as vu? Là, au contraire, je pense que les grands peuvent... Ah ouais, tu penses? Moi, ouais, je pense que c'est gros. Regarde, 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 Léopold, regarde, Léopold, regarde, Léopold. Oula. Mais je pense que c'est la mérité, c'est la mérité. Oh non, c'est trop dur. Il est quand même allé plus loin que Grim, hein. Autour de Potatoes de s'élancer. Il y va, il y va. Ah, t'avais raison, hein. Putain, ça a été simple, ouais, en tout cas pour lui. Regarde, regarde, il est carrément debout. Je suis pas sûr, regarde. Ouais, t'as vu la boule, elle va à l'arrière. T'as vu ou pas? La première boule sur le jump va vers l'arrière. Faut se mettre sur les fesses et en fait faire une sorte d'effet pivot. Elle envoie debout, ouais, hyper libre. C'est Jean qui s'embarque. Ouais, Jean, il va être bien aussi. Hein. Quand tu veux. Allez, la première, tranquille, belle réception. Ah mais là il se met vers l'avant, là, il a compris là je crois. Non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, le saut est useless. Ouais, c'est pas possible, t'as raison. Allez Rémi. Tout est permis. Allez, attention, Rémi la première. Allez, allez, laisse tomber. Oh, il se remet debout lui aussi. Ouais, je pense que ça va pas être la meilleure strat. Hein. Ah peut-être s'il l'a fait pencher vers l'avant. Ouais, allez, ouais, non, c'est pareil. Allez, attention. Hein? C'était quoi ça? Hugo éliminé, hein. Il a même pas fait la deuxième. Hugo et Grim éliminés. Les quatre autres, vous repassez une fois. Allez, c'est parti, Léopold.
Déjà ça, c'est quelqu'un va trouver la solution. C'est là que tout se joue. Tu poses ton cul et tu fais levier avec ton trou du cul. Ah, y a quelqu'un qui est Hugo qui est en train de le pousser. C'est Hugo, c'est Hugo. Allez, c'est Hugo. C'est exactement ça. Là, faut que ses pieds soient plus hauts et qu'il fasse un petit jump. Voilà, exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, c'est exactement ça. C'est ça. Allez, Léon. Oui. C'est comme les répètes de ton spectacle, y'a personne. Ça va. Il valide une troisième, je pense qu'il s'assure la finale. Il a deux doigts dans le. Il s'assure la finale. C'est bon, elle est validée. Hein. La troisième a été validée, il a eu une seconde de stabilité dessus. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il commence à fatiguer un peu. Pour la finale, il y aura qu'une personne qui part. Oula, 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 c'est parti un peu. Oh là là, oh là là. Ouais, ouais, y'a plus d'énergie. Allez, dehors, hein. Bon, bah c'était pas mal. Est-ce que Jean peut aller en finale? Allez, c'est parti. Première grosse boule, c'est validé. Il prend appui. Voilà. Allez, et c'est validé. Oh là là. Oh, il peut aller au bout. C'est le comportement d'un mec qui peut aller au bout. Allez, Jean. Oh là, les gens. Mais c'est tellement simple. Allez, Jean. C'est tellement simple pour lui. La dernière. Non, la vraie, il a juste à la toucher. Mais oh là là. Allez, MNK, ouais. Oui, champion. Oui, champion. Il est complètement crazy, celui-là. Oui. À l'envers. Oh, côté le plan de fou. Ouais. Te fatigue pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, ça y est. Ça y est, chef, descends, c'est fini. Bah après, tranquille, il veut régaler le public. Bah honnêtement, si quelqu'un fait le tout, je vais lui dire de faire le retour maintenant. Magnifique, Jean. Il reste Remly normalement. Dernier passage, Remly, pour essayer de battre Jean, qui est finaliste pour l'instant. Eh, trouve ton style. Tellement plus dur, ça se voit. Ah, il est plus grand. Hein. Dombe, pitié. Dombe, c'est mieux pour le scénario. Fais semblant. Ah, ok, il y arrive, hein, ils veulent terminer quand même. Toi dans l'eau, merde. Il a fait les 4, tout le monde s'en fout. Quelqu'un applaudit là. C'est passé de mode maintenant de faire les 4, c'est l'aller-retour. Une fois qu'on a été impressionné, c'est vrai qu'on s'en fout. Jette-toi dans l'eau, connard. Bon allez Rémi, faut tomber là. Dans tous les cas, en termes de temps, t'es plus lent que Jean. Doug, je te propose d'enchaîner sur la finale. Allez, on s'en va. Et là, la finale, je vais vous spoil le nom les amis. Oh vas-y, ça va le faire. Ça s'appelle les portes de l'enfer. Oh bordel. Pour la dernière épreuve de cette première manche, le finaliste devra essayer de récupérer un shaker Oli suspendu entre chaque porte de l'enfer. Ramasser un shaker lui fait gagner 25 subs. Mais attention, s'il tombe avant d'atteindre le bout du tapis roulant, ses subs tombent à l'eau. Attention à ne pas trop glisser, et bonne chance. Regardez, c'est ça l'étape finale pour Jean. Je démarre à une vitesse raisonnable. Mais à chaque porte, ça va accélérer. Okay. Allez, c'est parti pour Jean. Ah ouais, c'est physique à la mort, c'est parti pour Jean. Et là, ça accélère. Ouais. Oh là là, il attrape le premier shaker. Allez, mon frère. Quelle vitesse, déjà 25 subs, s'il ne tombe pas. C'est bien. La vitesse accélère, mon Jean. La vitesse accélère, mon Jean. Allez, attention, le son, il est un peu plus dur. Aïe, aïe, aïe. Je vais l'avoir, hein. T'as tout ton temps, y'a pas de temps limite, Jean. C'est okay, bien, Jean. Le deuxième, garde les shakers. Validé. Ça sera vitesse maximale. Ah non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Et je rappelle, c'est vitesse maximale après ça. La dernière porte. Vitesse maximale, vite, c'est vite. Ouvert, vite. Et là, faut sprinter. Oh, il l'attrape. Oh, ça va vite. Allez, attention, faut pas tomber. Validé, parce que s'il tombe, il perd tout. Vite, cours. Allez. Oui. Les 50 subs. Quelle performance. T'en valides 2. Ouais. C'est déjà super. Hugo, j'imagine quand même content que de voir Jean récupérer 50 ans. Un indépendant comme ça remporte. Ça m'aurait fait chier que Massu, quelqu'un comme ça, remporte. Autant. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, il a pas entendu, je crois. Messieurs, c'est trop bien. On vient de finir la phase 1. Donc là, vous l'avez compris. Tous les participants, on écrème. L'épreuve finale. On va faire la même chose sur la phase 2 avec que des nouvelles épreuves. Yamel fait un truc crazy là. Allez, tu sais quoi, je vais faire un truc de fou, les gars. Oh, je suis fou. Je suis complètement crazy. On est ensemble et on a envoyé Jean qui a été le grand gagnant, comme ça il sert d'exemple. Tu démarres ici tranquillement par le Crazy Ponton. Une fois que t'es au bout du Crazy Ponton, tu sautes, tu remontes par ici et tu vas à la pente glissante. Dès que t'as fini la pente glissante et que t'as sauté dans l'eau, c'est terminé pour le chrono. Jean, t'es prêt? On y va dans 3, 2, 1. Jean va réussir à se requalifier en finale. Premier obstacle passé avec une facilité. Il y va, il sprint. Oui. Et il le passe. Allez, Jean, 28 secondes là. Il arrive à remonter. La pente glissante, ça a l'air très très dur. Il va y avoir de l'eau, ça va glisser. Et voilà, t'as capté comment ça marche, Kamel. Il est malin, t'as vu. Attention. Et du coup, il y a Aïe, c'est dur. Jean qui a encore des vies. Oui, Jean. Allez, oui, Jean. Jean qui passe le deuxième. Est-ce qu'il peut faire le troisième? Parce qu'après, il y a un deuxième pont. Oh là là. Mais quel monstre. Il gère, hein. Mais quel monstre. Mais c'est vraiment une bête, celui-là, la pente glissante. Waouh. Il a trouvé la technique. Jean, il va gagner phase 1, phase 2, tu crois? Bah, il y a moyen, hein. En tout cas, il peut se qualifier là. Parce que là, je vois pas beaucoup de monde passer cette phase. Hein. Passe. Allez, saute dans l'eau, Water Crazy. Saute dans l'eau. C'est Water Crazy. Devin. Mastu qui doit essayer au moins de faire comme Jean, c'est-à-dire terminer. Mastu, go. Allez, Mastu Crazy, on y va.
Tu mets crazy partout en fait. C'est comme ça qu'on casse. C'est ma méta. C'est parti, première épreuve passée en 5 secondes, mais c'est incroyable. Et ensuite, la pente glissante crazy. Je dose pas. Quand est-ce qu'il est en pestacle, Léopold Le Marchand? Au stade du Marais, à partir du 20 septembre. Allez, ça fait 2 ans qu'il est en rodage. Ouais, et là, tu penses qu'il glisse à cause de l'autre jambe? Bah, un peu, ouais. Mais plus il va y avoir de passage, plus il y aura. Ouh. Attends, mais je crois qu'il a pris. Ouais, ouais, il a pris dans le menton, hein. Ouais, j'aime pas la chute. Après, bon, c'est un boxeur maintenant. Ouais, ouais. On peut rien lui dire, le sang. Ok, c'est bon, il a la technique peut-être. Ah, c'est parfait, là, vas-y. Juste, il finit, c'est bon. Ouais, nickel. Allez, Mastu, ouais, le deuxième. Il est tellement capable. Non, juste devant le truc. Oh là 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 là. Il est quand même allé loin, mais c'est dommage. Théorus, 3, 2, 1. C'est parti, Théorus. Non, en vrai, il a été chaud, Théorus, première épreuve. Allez, c'est parti, la pente glissante. Allez. Allez, Théo. Aïe, attends, il est encore en vie. Non, il est. Oh, il est encore en vie. Il est encore crazy. Et non, il va tomber. En fait, dernière vie pour Théorus. Non, mais faut pas pour aller en haut. Théo, on t'avait dit comment faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire concurrence à Jean ici, ou est-ce qu'il est venu pour tout gagner? Je crois en Grim, ai-je tort? Je ne sais pas. C'est parti, Grim Cujo. Tranquille, c'est validé. Allez, Grim Cujo. Allez, il est fatigué, frère. Ah, normal, mais en vrai, c'est épuisant. Oh non, non, non. Allez, c'est bien, il a la strat. Allez, Grim. Pense à la fin de Zen où tu vas plus faire de viewer. Allez, bâtard. C'est des hackers. Doucement. Oh, mais la machine. Ah, c'est trop dur, frère, je te jure, c'est trop dur. Pense à ton spectacle. Go. C'est parti. Jamais vu, il fait des gestes techniques en plus. Allez, Léo. Ouh, ça va. C'est un monstre. Ah oui, il est bas de grand, Léopold. Hein. Là, il faut bien. Il passe au vers la gauche. La machine a l'air plus crazy que tout à l'heure. Ouais, non. Ouais. Oh, aïe, il s'accroche. Allez, attention. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Très bien. Je sais. Aïe, c'est la chute. C'est la dernière chance. Félicite Terracide d'être pas venu parce que c'est horrible. Vraiment, il a rien raté du tout. Allez, c'est parti, deuxième passage de Léopold. Allez, Léo. Allez, attention. Aïe. Bah, Remli, si t'es prêt. C'est parti, Remli. Waouh, le slide. Et Rémi, double slide. Allez, Rémi. C'est impossible, vas-y. Aïe, il va tomber. Voilà. Il a accepté de tomber. Calme. Pour le tennis. Ouais, mais. Je pense. Aïe, c'est dur. Hugo, c'est à ton tour. Montre-leur, champion. Allez, c'est parti. Hugo. Ok, une petite chute. Bah, le crazy atterrissage de Hugo. Crazy Q, ouais. Allez, c'est parti, Hugo. Est-ce qu'il va trouver la technique? C'est plus Hugo dur. Hugo triche à son propre jeu, hein, on n'a pas le droit. Voilà. Faut trouver la technique. Aïe. Il est tombé en vie. Aïe. Désolé, mais ça fait trop rire. Aïe, mes couilles. Les gars, s'il vous plaît, on peut applaudir Hugo qui a quand même tout donné. Bravo, Hugo. Le pied à la merde. Effectivement, on est en pied plein de caca pour Hugo. C'est ça la suite, mesdames et messieurs. Le tourniquet, ça va tourner pendant 1 minute et vous devez absolument faire le parcours sans sortir du terrain. Les deux premiers qui font le trajet sont qualifiés pour la finale. Ça commence... Tranquille, les gars. Regarde, tranquille. Prenez du plaisir. Ah, le plaisir. Mets à fond. C'est en question, hein. Allez, vitesse maximale. Je le dis, c'est un classique, ça. Ah, je pense que ça va être exceptionnel. Dès que la machine s'arrête, vous y allez. C'est parti. Allez, on y va. Oh oui, Jean. Oh oui, Jean, il s'est évadé. Il a joué. Oh Jean. Oh Jean, c'est sorti. Il est sorti, Jean. Il y a un pied dehors. Dégage. Oh, ok, c'est validé. Jean, c'est quoi ça? On n'a pas dit que c'était interdit, hein. Théorus, c'est tout bon, frérot. Toi, t'es en finale. Jean, il sort, mais au lieu de redémarrer à zéro, il revient sur le terrain ici et il enclenche un gars. En fait, t'es trop crazy pour Water Crazy. Un peu trop crazy, tu t'assois sur le banc. Aussi, hein. Donc, demi-finale, Théorus, Mastu. La prochaine épreuve, je vais vous la spoil, elle s'appelle les boules dévastatrices. Dans cette épreuve, les deux demi-finalistes de la manche doivent faire un Shifumi. Le gagnant partira en premier à la conquête des boules dévastatrices. Le premier des deux qui arrive au bout de l'épreuve gagne sa place en finale. Bonne chance. Vous avez les deux demi-finalistes en face de vous, avec juste derrière les énormes boules, bien sûr. Hein. Shifumi, on a un point. Allez, on y va, messieurs.
Victoire, t'es au russe. Est-ce que tu prends la main ou tu laisses la main? Je vais commencer, ouais. Tu prends la main. C'est très étonnant. Les boules dévastatrices. Et je vais vous laisser en vitesse max, mesdames et messieurs, que la demi-finale commence. Ah ouais, force à lui, ça a l'air dur de ouf, faut aller vite. Oh, il triche. Oh, la strat de fou. Oh, relève-toi. Oh, la strat de fou à plus. Oh, l'escargot. Une fois, pas deux. Quand on a fait le truc de sécurité, ils disaient qu'on pouvait un peu pousser les boules. Tu peux pousser les boules avec tes mains. Avec tes mains, tu peux pousser les boules, mais reste debout. Voilà, et pousse la boule. Bats-toi, voilà. Bah ouais. Ça, ça a l'air dur de fou. Ouais. Il fait que des crazy chutes. Après, il abuse de la chute. Comment il gagne l'acteur de fou. Un aller-retour déjà de valider pour Théorus. Allez, il y retourne pour essayer de valider 4. C'est le maximum qu'il pourra valider. Allez, et après, Mathieu devra au moins faire la même chose pour prendre la place. Mais full de... Non, full debout maintenant. Là, c'est full debout sur le deuxième. Non, full debout. C'est terminé. Il se fout de notre gueule quand même, ce salopard. Mastu, un aller-retour, t'es à égalité. Tu m'entends, Dwagby? La vitesse max, mesdames et messieurs. Et dis ta pote que je l'entende pas. Hein. Dwagby. On est focus. Dougie. Il est avec vous, c'est ça, au ouais, de Hugo et pote avec moi, là. 1 minute 13 pour passer en finale pour l'aller-retour. Et depuis le début, il a été quand même assez stable, je trouve, hein, Mastu. Hein. Ouais, très très chaud. Allez. Oh, il est bien, il est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, il abuse pas du bail. Ouais, ouais, parce que Théorus, il faisait que tomber pour gratter des mètres. Oui, on va pas s'extasier non plus sur... Ouais, on le connaître. Hein. C'est là que ça se joue, fais c'est gaffe. C'est tout. 10 ans de rentraînement pour l'event de Rebeu des Terres et c'est tout. Allez, c'est bien ça. Tout ça pour perdre seconde une. Oh là là. Ça va, voilà, pousse là. Le mec nous a fait chier pour venir. Déjà, il était insupportable. On évite de s'accrocher au 1. Hein. Oui, bah c'est pas toi qui fais les règles. Il a déjà gagné. Eh, Dobby, si c'est pour faire ça, vraiment, c'est pas la peine. C'est déjà mort. Stop. Oh là 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 là. Magnifique, Mastu. Bravo, Mastu. Quelle performance. Wouh. Ça passe en finale pour Mastu. Water Crazy. Water Crazy. Ça, franchement, Kamel, moi je t'ai demandé que tu viennes pour ça et tu le fais parfaitement. Je voulais vraiment que je voulais le faire ça. Non, mais on a marre de conneries d'e-sport et tout, là c'est bon. Là, ouais, c'est des voilà, c'est bon. Moi j'étais water crazy maintenant. En tout cas, Dwagby, il ferme bien sa gueule depuis qu'on est au gaz. Bah écoutez, on laisse la parole à Dwagby qui va enchaîner avec ça, qui va tout vous expliquer. Hein. Allez, Dobby. Regardez en vidéo, c'est ça qui va se passer pour Mastu dans un instant. Pour la dernière épreuve de cette manche, le finaliste doit effectuer un total de 2 allers-retours sur les fourches déjantées. Mais attention aux autres concurrents qui sont équipés de ballons pour déséquilibrer le finaliste. Chaque aller réussi donne 25 subs au finaliste. Attention aux chutes. Et oui, on est reparti, mesdames et messieurs. Regardez, je vais lancer la machine et derrière, ça va se mettre en marche. Il y a un avion aussi qu'on aimerait bien avoir, donc ce serait sympa de finir. Et les ballons, ils sont où là? Mais tirez là. Et 3 ballons à l'eau, 3. Regarde, il y a 2 ballons dans l'eau. Ça fait déjà 150 subs là pour Mastu. Félicitations. Regarde Rémi. C'est bien. Ah oui, ouais, c'est pas du tennis là. Catastrophe. Ah ben, bah, franchement, ils sont forts. Théorus, hein. Ça perturbe. Hein. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des sportifs à nous suggérer pour la prochaine édition. 50 subs déjà. Faut y aller, mec. Il va aller chercher les 75 subs sur cette allée. Allez, on va peut-être finir pour Mastu sans problème. Allez, Mastu. Allez, c'est 8 mois d'entraînement pour faire cette taille dans la tête. Eh, tirez-lui dessus peut-être. Enfin, avec les ballons. Il va passer les fourches déjantées, il va le faire. Ça y est, c'est validé, Mastu. Ça me dégoûte. Et bravo pour les 8 500 euros. 3000 balles de cash. Validé pour Mastu, sans souci. Mais pourquoi t'es dégoûté? Bah, c'est moi qui paye quand même. Donc on y est pour le bâton de l'extrême, mais tout ça va vous être expliqué en vidéo dès maintenant. Pour cette ultime épreuve du Water Crazy, tous les concurrents se posent sur une plateforme du bâton de l'extrême qui essaiera de les dégager coûte que coûte. C'est un énorme battle royal avec 200 subs en jeu, les 200 subs étant répartis sur le podium final. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Je sais pas si dès le premier tour, on va y avoir des éliminés. Je pense qu'il y en aura un. Ouais, je pense qu'il y en aura. Le premier tour est censé être gentil. Et la barre, elle monte de plus en plus. Hein. Exactement. C'est moi qui le fais au fur et à mesure. J'envoie la machine. L'épreuve phase 3 démarre maintenant. C'est parti, les amis. C'est le bâton de l'extrême. Oh là, ça a l'air dur, déjà. Ouais. Ça a l'air dur de fou, c'est complètement fou. Alors pour l'instant, tout le monde tient bon. C'est la réception qui est très dure après le saut. Je peux que monter. Descendre la barre, ça va tomber. Ah là, c'est la première chute. Je sais pas, je vois, j'arrive pas à voir d'ici. Je crois que c'est Hugo. Deuxième. J'ai même pas touché encore, j'ai pas monté la barre. Bah ouais, mais je t'ai dit que ça va être dur hein, avec cette vitesse. Hop là, c'est parti, le saut est bon, c'est validé. On est niveau 2, niveau 2. Et là qu'on déstrate, hein. Ouais, là c'est un pied plus ouais. Ça va être niveau max sur la prochaine, juste après. Mastu, niveau max. Niveau max, j'appuie. Oh là là, le niveau est crazy. Et là il va y avoir des chutes. Et là c'est l'endurance. Oh là là. Oh là là, c'est l'endurance.
Oh, ah, qui est tombé tu... Grim. Ah, logique. Ah, Grim, ouais. Est tombé. C'est quoi, pour il y en a qui ont moins besoin des steps que des autres, hein. Je peux pas dire, les pinces. Plonger quand même. Elle est pince, là. À la fin de la prochaine rotation, vous devrez être sur une seule jambe. Une jambe. Une jambe, messieurs. Une jambe. Impossible. Allez, moins un. Oh, oh dommage, dommage. Ça joue entre Mastu et Jean. Comme par hasard, celui qui a gagné la phase 1 contre celui qui a gagné la phase 2. Il faut qu'il résiste. Il faut qu'il résiste ton jump. Il faut que tu résistes ton jump. Oh, le bon mérité. C'est Mastu qui remporte cette phase 3 et le bâton de l'extrême. C'était la dernière épreuve de Water Crazy. En vrai, c'était exceptionnel à Cast. On va retrouver Dwag. Normalement, il est avec tous les participants là-bas. On est de retour avec tous les participants qui ont réussi à au moins aller jusqu'au bout parce qu'on a encore deux assis à côté de Cameton, on les oublie pas. On a le grand gagnant de cette édition de Water Crazy, c'est Mastu. Avec 200 subs déjà confirmés. On a besoin en plus. 100 subs sur la phase 2, 100 subs sur la grande finale. Pour un mec qui stream pas, c'est dommage en vrai quand même. Ça fera quand même des heureux. Deuxième position, bravo à Jean qui prend ses 125 subs. 50 sur la phase 2, 75 sur la finale. Ouais, c'était très rock du début à la fin. Puis je suis content, c'était cool quoi. Voilà. Toujours aussi bon en discours. Hein. Et puis bah bien sûr le troisième, Léopold, 25 subs. Je savais même pas qu'il avait un compte Twitch. Que dire à part que ouais, je joue mon spectacle le 20 septembre au Théâtre du Marais. Et vraiment, c'est trop d'émotion. Merci à Hugo. Tu y seras, toi, le 20 septembre au Théâtre du Marais en rodage pour mon spectacle. Ça va être énorme. J'ai qu'une hâte, c'est rentrer chez moi pour boire du voli. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Il manque un truc quand même. Tu veux être payé ou pas, toi, parce que... Bah, j'ai travaillé quoi. Enfin, juste... Bon, c'est qu'il a travaillé ou pas assez, les gars? Pas, il a glandé, hein. Pas vraiment. Quoi? Pas vraiment. Je pense que foutez-le à poil, il va faire une épreuve vite fait quand même. Ouais, juste le haut. Rémi, mets-lui ça. Rémi, mets-lui ça. Non, parce que ça va aussi, il faut quand même travailler un peu. Quoi. Tu mens, tu mens. Non, franchement, t'as rien branlé. Franchement, c'est de la merde. Allez, Dwag. Oh là 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 là, le monstre. Doogie, 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 Doogie. On rappelle que tu joues pour être payé. T'es prêt? Oh là 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 là. Go, Dwag. Allez, c'est parti. Allez. Geek, oh, yo, 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 yo. Attention, pas d'ego. Il va tomber. Allez, Dwag, tu es prêt. Faut aller au bout pour être payé. Va au bout. Oui, bah va au bout. Allez, faut que tu finisses. Allez, t'es un guerrier. Tu peux. Allez, allez. Aïe. J'espère que ça vous a plu. Merci à tout le monde qui a fait l'effort de venir ici en participant. Merci Kamel aussi qui est de l'autre côté et qui caste et qui a accepté aussi d'être là avec la K-Corp. Ça fait grave plaisir. Et merci beaucoup Dougie aussi. On peut refaire un plan s'il vous plaît quand même. C'est quand même assez grave. Et puis merci à vous et merci beaucoup également à Oli. Je vous rappelle que vous avez une petite promo. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous regardez ça sur YouTube. Merci à Hugo. Merci Hugo. 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 Water Crazy. On the streets, I'm all alone. Yeah, I'm not like my mother, my drones. Let's go, show me ruler cone. Ruler cone, ruler cone. The sun is shining and the sun is rising. It seems to me your life is so amusing. See